Transformers. Seconde partie de ce numéro de votre émission Planète Idéale consacrée à la responsabilité sociétale des entreprises avec Placide Tangdine Douga. Vous êtes directeur général de Valora, organisateur du forum RSE d'Afrique de l'Ouest. Monsieur Douga, quel mécanisme au niveau des États africains pour le suivi et l'évaluation de RSE? Est-ce qu'on pourrait déjà aller à suivi et évaluation? Je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui en Afrique, il n'y a pas encore au niveau des États africains, alors à mon avis, à ce que je sache à ce jour peut-être, alors à part le Maroc, la Tunisie qui s'engage, mais quand on reste au niveau de la sous-région ouest africaine, il n'y a pas encore ce cadre formel qui annonce clairement les ambitions des États en matière de responsabilité sociétale des entreprises. Donc, avant de pouvoir créer un mécanisme de suivi ou d'évaluation, il faut dans un premier temps légiférer sur ce qu'est la RSE, ce qui nécessite un autre travail au niveau étatique en termes d'appropriation déjà du concept par les gouvernants. Et aussi on retravaille avec les acteurs du secteur privé pour réfléchir tous ensemble aux différentes contreparties qui puissent amener tous les acteurs à de façon réfléchie, à avoir quelle contrepartie mettre en place ou mettre dans la balance pour pouvoir avancer. Donc dans un premier temps, moi, à mon avis, avant de pouvoir aller vers ce cadre de suivi ou d'évaluation de la RSE dans les États africains, il y a ce premier travail d'appropriation de la RSE par les États africains. Alors, votre initiative, elle se veut sous-régionale. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'en Afrique de l'Ouest, il y a encore du chemin en matière de RSE? Il y a encore du chemin. Même s'il y a des acteurs très actifs sur le sujet de la RSE, il y a encore du chemin, parce qu'aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est justement au niveau du secteur privé où il y a des acteurs, des entreprises qui sont prêtes à s'engager, à faire plus en matière de responsabilité sociétale des entreprises. Mais quel cadre et quelle contrepartie au niveau des gouvernants? Puisque derrière, c'est la mise en œuvre de la RSE au sein d'une entreprise, c'est des coûts considérables. Au départ, c'est un aspect financier non négligeable. Donc maintenant, pour une entreprise qui s'engage dans une telle démarche, alors qu'aujourd'hui l'heure est plutôt à la survie économique dans certains États africains qu'à la floraison de la manne financière, il faut vraiment réfléchir au niveau étatique à qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner ces entreprises afin qu'elles fassent mieux que ce qu'elles font déjà. Parce qu'aujourd'hui, nous, on est convaincus que la RSE, c'est quelque chose qui peut réellement contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable. Maintenant, il faut que chacun joue sa partition et que chaque acteur connaisse concrètement et réellement le rôle qu'il doit jouer et l'apport qu'il peut apporter. Et que cet apport y soit considérable. Alors, les États africains ont souscrit au processus ITE. Mmh. Alors, l'initiative pour la transparence, dans les industries extractives. Oui. Est-ce qu'il y a un fossé entre l'ITE et la RSE? Alors, un fossé, puisque voilà, les mots ont vraiment leur sens. Alors, je vais plutôt dire que on peut parler de complémentarité, mais pas à grande échelle, puisque la norme ITE, c'est une norme qui agit sur un seul levier, qui est la gouvernance. Alors, l'ITE part du principe que les ressources pétrolières, gazières, minières appartiennent aux citoyens d'un État. Et en fait, c'est une norme dont l'objectif est de permettre la transparence dans la gestion de ces produits dans un pays. Donc ça va, ça concerne par exemple la signature des contrats, la collecte des revenus,
Et puis un autre plan, je pense qu'il y a 5 étapes, donc la signature des contrats, la collecte des revenus, à qui bénéficient ces revenus. C'est vraiment de la gouvernance, mais ça ne remplace pas de la RSE. Ça ne remplace pas la RSE parce que ce n'est pas quelque chose qui est mis en place par les entreprises, justement. C'est ça la différence entre cette norme. La norme ITIE, elle est portée par les États, que la RSE, on est vraiment dans le cadre de l'entreprise. Voilà, dans le cadre de l'entreprise. Alors, je vais peut-être aller un peu plus... Et ce qu'il y a assez souvent, c'est que... il y a certaines entreprises, quand vous les approchez dans le secteur africain, qui disent oui, on donne déjà à l'ITIE, l'ITIE collecte déjà, donc nous sommes en train de faire de la RSE. Concrètement, ce n'est pas de la RSE parce que voilà, en devenant exploitant minier, on a des engagements envers l'État qui, lui, a des engagements envers ses citoyens. Il y a la collecte des revenus liés aux produits miniers, pétroliers, gaziers, qui va dans le sens de l'ITIE, il y a la RSE qui doit être réellement et concrètement mise en œuvre, mise en place par l'entreprise pour pouvoir agir ou réduire ses impacts sur les impacts de son activité sur ses parties. Alors, parlant de la RSE, comment une entreprise peut-elle réussir sa performance économique en étant bon élève de la RSE? Alors, bon élève de la RSE. Oui, ça existe parce qu'aujourd'hui, il y a de... Alors, quand on le prend plutôt, je prends au Ghana, par exemple, ou au Maroc, oui, il y a effectivement des événements annuels qui sont organisés pour primer les meilleurs engagements RSE des entreprises. Maintenant, après, comme je l'ai dit il y a un instant, il est très important... Alors, la RSE, elle est réussie dès le départ, lorsque dans le diagnostic stratégique, on associe toutes les parties prenantes concernées, internes, externes. Et à partir de là, c'est ensemble, on définit les axes prioritaires de sa politique et de sa démarche RSE de façon concertée. Il est très important que la concertation soit au centre de l'engagement RSE d'une entreprise, puisque c'est ce qui va permettre, lorsqu'on évaluera les indicateurs de départ et les actions qu'on a menées, il est très important qu'il y ait toujours de la concertation à chaque échelle et à chaque étape. À partir de là, si on arrive à réussir ce travail, qui constitue une étape primordiale, le reste se déroule en fonction des objectifs qu'on s'est fixés et chacun joue son rôle. Maintenant, une fois que tout le monde joue bien son rôle de là, c'est une sorte de tableau de bord dont on dispose, puisqu'on voit toutes les actions qui sont menées. Et c'est ce qui permet justement de voir de façon directe et induite où nous avons un levier économique, parce que peut-être il y a une activité ou une pollution qui était persistante dès le départ, pour lesquelles peut-être d'autres parties prenantes avaient des solutions, mais qu'elle n'énonçait pas ou qu'elle n'émettait pas, justement parce que dans la gouvernance de l'entreprise, tout est refermé au niveau des dirigeants. Donc, une fois qu'on associe tous ces acteurs, ce tableau de bord, il est bien défini, il est bien visible parce que tous les acteurs jouent bien leur rôle et on constate par du concret par rapport aux engagements qu'on a pris, ce qu'on est en train de faire. C'est là qu'on voit justement cet avantage sur l'économie des coûts lié au fonctionnement de l'entreprise. C'est très important, l'économie des coûts liés au fonctionnement de l'entreprise. Ça, c'est d'une part. Ensuite, sur la rentabilité financière, elle va sur deux aspects. Parce que lorsque les collaborateurs en interne ont de bonnes conditions de travail, ces collaborateurs sont les premières personnes à faire la publicité de l'entreprise et de ses produits. Et cette publicité, de façon naturelle, elle est appropriée par le public, les consommateurs, ainsi de suite, parce que peut-être quelqu'un en interne dit,
vous savez, nous, on travaille dans de bonnes conditions, c'est vrai. Et c'est le collaborateur qui dit non, non, non. Si quelqu'un vous dit ce produit, il n'est pas réalisé dans de bonnes conditions, c'est faux puisque je suis en interne. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous mettez au cœur de vos préoccupations la mise en œuvre du principe de vigilance et du respect, notamment des droits humains en Afrique? Quel regard vous portez sur la question au niveau, dans le strict cadre des entreprises? Oui, justement, ça me permet de faire justement un lien par rapport à tout ce dont nous avons parlé, de faire un lien justement avec l'objectif général du forum, que je n'ai pas énoncé dès le départ. C'est d'inciter les États africains à promouvoir la RSE en créant toutes les conditions et les cadres idoines possibles pour cela, et puis inciter les entreprises à s'engager dans des démarches RSE plus engagées, qui soient en fort ancrage et en forte valeur avec leurs activités. Et pour revenir à cette question sur le devoir de vigilance, c'est une loi qui a été promulguée le 21 février 2017 dernier en France et qui est relative aux entreprises multinationales. En fait, le devoir de vigilance consiste juste à intégrer dans leur fonctionnement les critères environnement, social et gouvernance, d'une part. D'autre part, c'est également d'insérer les questions, les droits humains au cœur de l'activité de l'entreprise. Et ça doit se décliner au sein des filiales de ces multinationales, sur un premier point, et sur un deuxième point, sur la chaîne de valeur, c'est-à-dire les fournisseurs, leurs sous-traitants. Alors, ces multinationales, on le sait, donc le goût de l'argent, elles sont implantées sur le continent. Mmh. Est-ce que, justement, elles respectent ces principes de vigilance? Alors, pour avoir travaillé en France dans une société de gestion de l'eau, Je dois vous avouer que au niveau des engagements des États européens et tout ce qui est relatif à la responsabilité sociétale des entreprises, depuis l'évolution du cadre européen de pratique de la RSE, les entreprises se sont rendues compte effectivement que la RSE avait une forte valeur ajoutée pour leurs activités. Au-delà de la publicité qu'elle fait, au-delà de la maîtrise et de l'économie des coûts, c'est quand même un outil de performance économique. Et puis, c'est un outil décisionnaire dans le cadre des réponses à appel d'offres. Ça, c'est sur un point. Et donc, les filiales de multinationales qui opèrent dans d'autres pays... Notamment sur le continent africain. Notamment sur le continent africain. Par rapport à... Il y a une autre loi qui s'appelle la loi sur l'obligation de reporting, qui, elle exige des multinationales qu'elles mettent en place tout ce qui est nécessaire pour mettre en œuvre la RSE dans leurs filiales. Donc, toutes les filiales, annuellement, mettent en place des actions, même si on ne les qualifie pas de RSE, mettent en place des actions sociales, social, environnement, gouvernance, mais qui rentrent dans les actions prioritaires du siège. Donc, automatiquement, toutes les filiales de multinationales, si je prends l'exemple du Togo, toutes les filiales de multinationales que vous voyez ici, mettent en place des actions qui rentrent dans le cadre de cette obligation de reporting RSE imposée par l'État français chaque année. Alors, une question toute simple pour un dirigeant d'entreprise, dans quelle mesure le respect de l'environnement peut-il être un avantage pour son développement en entreprise, pour sa croissance économique? Ça va sur la maîtrise des coûts, parce que par exemple, je prends l'exemple banal de la gestion des déchets. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, pour une entreprise qui fabrique des produits, derrière la réflexion, c'est de savoir, puisque la loi cadre sur l'environnement du Togo, ou même la constitution nationale, il est écrit dedans que toute entreprise a l'obligation de mettre en place des mesures
bon, je ne le dis pas mot pour mot, mais de façon générale, c'est que toutes les entreprises ont l'obligation de mettre en place des mesures pour réduire recycler les déchets qui sont issus de leurs activités. Donc, réduire son impact sur l'environnement, c'est réduire son impact dans tous les sens propres du terme. Ça, il y a l'économie de l'eau, il y a l'énergie, il y a la gestion des déchets, et puis d'autres thématiques, j'en passe. Mais une meilleure réduction à la source permet une économie de gain. Et une économie de gain qui peut être réinjectée dans d'autres activités ou dans le développement de l'entreprise elle-même. De façon très simple, c'est ça. Et sur la gestion des déchets, aujourd'hui, il y a l'économie circulaire qui est vraiment prônée. Il y a un gros travail de réflexion à faire, par exemple, sur les sources d'approvisionnement de nos matières premières, sur les produits qu'on utilise, leur durée de vie. Parce qu'il ne faut pas laisser... il y a cette question d'obsolescence programmée avec les ampoules. On achète une ampoule qui est censée durer un mois, mais qui finalement dure une semaine, qu'on rachète. qu'on doit remplacer. Voilà. Donc du coup, derrière, il y a le volet, le gain financier pour les fabricants, mais de l'autre côté, il y a un travail en interne, au niveau par exemple de la direction achat, qui est de mettre en place une politique qui permette à l'entreprise d'identifier des acteurs dont les produits ont moins d'impact sur l'environnement, sur les personnes. Et à partir de là, on réfléchit mieux, on réduit mieux les impacts de son activité sur l'environnement. Sur l'environnement. On l'a compris, toutes les politiques de développement aujourd'hui, M. Douga, sont tournées vers la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Cela passe aussi par les actions des entreprises. Oui. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand les objectifs de développement durable ont été adoptés en 2015, l'ONU a fortement recommandé aux États signataires de s'appuyer sur le secteur privé pour contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable. De façon, et vous l'avez vu récemment quand il y a eu le plan national de développement du Togo, où le premier ministre togolais a organisé des réunions avec le secteur privé et échangé avec eux en leur présentant les grandes lignes de cette politique nationale et voir comment est-ce que ce secteur privé peut contribuer. Alors, de façon très simple, comment ça se fait? Si je prends, nous avons 17 objectifs de développement durable. Et en fait, ce qui se passe, c'est juste que chaque entreprise, aujourd'hui, les entreprises au Togo, par mécénat ou philanthropie, investissent déjà dans différents secteurs d'activité. Il suffit juste, en fait, que chaque entreprise s'approprie un ODD spécifique et se dise, OK, dans le cadre de notre stratégie de développement ou dans le cadre de notre programme mécénat RSE ou environnement, nous voulons avoir plus d'impact sur cet ODD. Il y a un travail qui se réalise avec tous les acteurs au niveau étatique, sectoriel, chargés de la mise en œuvre de l'RSE, de cet ODD. Et on réfléchit de façon concertée à toutes les actions que l'entreprise peut mettre en œuvre. Et je le disais tantôt, il y a justement ce travail peu importe, ce n'est pas la grandeur de l'action qui compte, c'est l'impact. L'impact que cette action peut avoir. Que cette action peut générer, qui est très importante. Et là, il faut que les entreprises arrivent justement à s'approprier cela. Et maintenant, ça va aussi passer par tous les partenariats qu'on pourrait mettre en place. Donc, interviennent les associations locales, les communautés locales, et puis aussi, bien évidemment, les acteurs de la société civile, quand je parle de tout ça, et aussi les acteurs gouvernementaux. Donc, un objectif, les partenariats spécifiques qu'il faut pour pouvoir développer les connaissances, mettre en œuvre des pratiques qui soient efficientes, efficaces, et réfléchir beaucoup en matière de pérennisation et à la durée
de ces actions. Donc, en définitive, une démarche participative et inclusive. Effectivement. Merci à vous, Monsieur Placide Tagdindouga, d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes directeur général de Valora, organisateur du forum RSE d'Afrique de l'Ouest. Merci à vous qui êtes resté en notre compagnie. À très vite pour un nouveau numéro de votre émission Planète Idéale.